Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pose Benoît. Qui n'a pas rêvé un jour de se constituer une armée de clones? Eh bien, nous allons voir ça dans le logiciel Affinity Photo. Bon visionnement! Nous voici dans l'interface d'Affinity Photo. Le but du clonage est de prendre une partie de l'image pour la copier et la coller à un autre endroit de la photo. Pour ce faire, on va utiliser une manière non destructive en ajoutant un calque pixelisé. On vient ici dans la partie droite de l'interface. On vient cliquer « Ajouter un calque pixelisé ». Par la suite, on vient sélectionner l'outil de pinceau clonage et on vient zoomer dans l'image et on vient régler la grosseur de notre pinceau. Pour copier l'image, nous allons peser sur la touche Alt et cliquer sur l'image. Notre image est copiée. On va recliquer sur l'image pour coller l'image et on s'aperçoit que rien ne se passe. Alors, pour remédier à ce problème, on vient ici dans la barre de menu et on regarde l'onglet « Calque actif ». On va dérouler le menu et on va venir sélectionner « Calque actif et sous-jacent ». On voit apparaître maintenant l'objet qu'on a copié et il reste maintenant à le coller sur la photo en cliquant. Et voilà, notre objet est copié sur la photo. On peut voir autour de l'objet qui a été collé ici sur la photo, le pourtour n'est pas propre, si on peut dire. Alors, on vient sélectionner outil de pinceau pour effacer. Encore une fois, on peut ajuster notre outil. Et on vient effacer autour de l'objet pour que ce dernier se marie bien avec le reste de la photo. On peut venir sélectionner, par exemple, un autre objet ici. On peut jouer ici sur l'opacité, le flux ou la dureté. Par exemple, on va réduire un petit peu la dureté pour voir l'effet que ça va apporter. On sélectionne Alt et on clique. Et on vient placer l'objet où on désire. On clique. Voilà, il est collé. Toujours zoomer sur la photo pour regarder si l'effet est adéquat. Et on peut prendre encore une fois l'outil effacer pour vraiment bien ajuster le pourtour. On peut remarquer ici l'objet qui a été copié est peut-être un petit peu trop gros par rapport aux autres, puisque celui-ci qu'on a copié était peut-être plus en avant-plan. Et se retrouve un petit peu plus derrière. Alors, il y a une fonctionnalité dans l'outil clonage que nous allons voir où l'on peut réduire l'échelle de l'objet qui est copié. Pour ce faire, nous sélectionnons l'outil pinceau de clonage. Et ici, dans le menu supérieur, ici où c'est marqué échelle, on peut venir régler l'échelle pour que notre objet soit bien intégré dans la photo. Bien cliquer à l'endroit où on veut positionner notre objet qui a été copié, voilà. On va résumer sur notre photo. On va effacer toute l'information qui n'est pas utile. Et voilà, notre objet est bien intégré dans la photo avec la bonne échelle par rapport à la perspective de la photo. Alors, lorsqu'on choisit une échelle supérieure à 100%, l'image vient pixelisée. Alors, on perd de la définition.
Autre petit truc en terminant, lorsqu'on sélectionne des éléments pour les cloner sur la photo et qu'ils se retrouvent rapprochés l'un de l'autre, il est peut-être préférable d'ajouter un autre calque pixelisé. À ce moment-là, l'ajustement va être plus facile à faire. Alors, je vais vous montrer un peu quand on s'applique à faire la retouche avec l'outil clonage. Ça peut donner des effets intéressants, voilà, et plus symétriques. Alors, voici ce que complète ce tutoriel sur l'outil pinceau de clonage. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment intégrer la suite d'outils de retouche photo de la Nik Collection de Google dans le logiciel Affinity Photo. Merci et à la prochaine fois.